Monsieur le représentant du directeur des Archives de France, Madame la directrice des Archives nationales, Madame la présidente des Archivistes de France, Mesdames, Messieurs, en premier lieu, vous me permettrez d'excuser le président Annaud, notre président, mais je vous rassure, il sera à vos côtés lors de votre dîner de gala demain soir et c'est lui qui clôturera vos travaux. Alors, les Auboises et les Aubois sont heureux et fiers de vous accueillir sur leur territoire. Mais connaissez-vous l'Aube ? 10, ne pas confondre avec l'Aude. Département de 300 000 habitants, avec une démographie en hausse. En Champagne-Ardenne, c'était le seul département de cette région qui a disparu, qui gagnait des habitants. Peut-être êtes-vous dans le Grand Est, peut-être êtes-vous en Rhin-Champagne. Nous verrons bien. Très rapidement, puisque votre emploi du temps est chargé, on vient de me le rappeler, je vais essayer de vous accueillir et de vous présenter notre territoire. Ça ne va pas être facile parce que lorsqu'on est passionné, on peut être bavard. L'Aube se trouve à 150 km de Paris. Troyes est au centre, au cœur de notre département. Troyes est une ville-centre. Souvent, on dit l'agglomération troyenne et le désert au bois. Ce n'est pas le désert français. C'est vrai que Troyes est la seule grande ville de notre département. Alors, Troyes, pour faire simple et être rapide, eh bien, a connu un désastre économique. L'Aube était connue pour sa bonneterie, pour être la capitale de la maille. Il y a 30 ans, la bonneterie, l'industrie de la maille, c'était 30 000 emplois dans notre département. Aujourd'hui, 5 000 emplois dans la bonneterie. Mais il nous reste deux fleurons que vous connaissez certainement. Petit Bateau, tout le monde connaît. Et puis, devant les Lacoste, vous savez, le petit croco que vous portez sur vos polos. Eh bien, ce sont deux belles entreprises auboises. Alors, il fallait rebondir, il ne fallait pas baisser les bras, et nous pouvions compter alors sur notre président. Donc, à son initiative, plusieurs axes de développement ont été retenus. Le premier, développer l'enseignement supérieur dans l'Aube, qui était quasiment inexistant. Aujourd'hui, plus de 10 000 étudiants dans l'Aube, avec l'Université de technologie de Troyes et de l'Aube, avec l'École supérieure de commerce, dont le classement national est flatteur, et puis, tout dernièrement, l'École polytechnique féminine. Nous avons donc misé sur l'innovation et la recherche. La technopole de l'Aube en Champagne existe, avec sa pépinière d'entreprise, avec son hôtel de bureau, avec ses hôtels d'entreprise. Deuxième axe retenu, la logistique. L'Aube est au cœur d'un nœud autoroutier et nous avons donc fait le pari de la logistique. Nous avons créé un grand parc logistique, le parc logistique de l'Aube, dans notre jargon le PLA, avec des parcs secondaires. Et déjà de grandes marques, de grandes enseignes se sont installées sur ce parc logistique. Et troisième axe, peut-être celui qui va vous intéresser le plus, l'économie touristique. Je dis souvent l'économie touristico-culturelle. Ça ne fait pas trop plaisir aux puristes, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Alors nous sommes partis pour ce troisième axe d'un double constat. En France, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, la France, c'est 83 millions de visiteurs par an. C'est la première destination, encore la première destination au monde. C'est le tourisme, c'est 7,5% du PIB, c'est etc., etc. Je pourrais décliner beaucoup de chiffres pour démontrer l'importance de l'économie touristique dans notre pays. Mais dans l'Aube, si nous n'avons ni la mer ni la montagne, nous possédons bien d'autres atouts. Et ces atouts, nous entendons les valoriser et nous sommes en train de les valoriser. Alors bien sûr, c'est le champagne, donc on peut parler de tourisme œnologique.
C'est le patrimoine naturel avec les grands lacs, le réservoir Seine, le réservoir Aube, les vallées de l'Aube et de la Seine. C'est le tourisme de loisirs avec la chasse, la pêche, la voile, le motonautisme. Ce sont les magasins d'usines, et oui, c'est une forme de tourisme avec plusieurs millions de visiteurs par an. On vient de toute la France aux magasins d'usines à Troyes. Et bien sûr, le patrimoine bâti architectural. La ville de Troyes que vous avez déjà découverte hier au soir et que vous allez découvrir pendant les deux jours. Les châteaux, le château de la Motilly, le château de Vaux et bien d'autres. L'abbaye de Clairvaux, que il me semble que vous allez la découvrir aussi. Et puis nous avons la chance d'avoir accueilli sur notre territoire, sur notre sol, des artistes de renom. Pierre-Auguste Renoir, qui a habité Essois, une commune de la côte des Barres. Il s'est marié avec une femme d'Essois, une dame d'Essois. Camille Claudel, qui a résidé à Nogent-sur-Seine pendant 3 ans, et d'ailleurs le musée Camille Claudel ouvrira certainement en fin d'année ou en début d'année prochaine à Nogent-sur-Seine. Et puis n'oublions pas aussi le tourisme d'affaires, et vous êtes ici au centre des congrès qui a 2 ans. Alors c'est un pari politique que nous avons fait, nous avons été critiqués, mais aujourd'hui on peut vous accueillir, vous êtes 800, vous êtes 900, les congrès se succèdent, les colloques se succèdent. Alors depuis 2009, nous organisons de grandes expositions de niveau national, de niveau international, toujours suivies et portées par un comité scientifique. Ça a été le Beau 16e, les Templiers, la campagne de France 1814, le Vitrail. Et en ce moment, une très belle exposition sur la guerre 14-18, si près des tranchées, que vous allez découvrir aussi. Et demain, avec la construction de la cité du Vitrail, nous avons budgété 14 millions d'euros, eh bien, Troyes, l'Aube, Troyes deviendra la capitale du Vitrail. Alors, une démonstration toute simple. Pourquoi Troyes sera la capitale du Vitrail demain? Eh bien, là, je vais copier, plagier mon président, qui souvent fait cette démonstration. 80% des vitraux du monde se trouvent en Europe. 80% des vitraux d'Europe se trouvent en France. 80% des vitraux de France se trouvent en Champagne-Ardenne. Et 80% des vitraux protégés, classés de Champagne-Ardenne se trouvent dans l'Aube. Donc il y avait une légitimité à construire cette cité du Vitrail. Voilà, vous connaissez un peu mieux notre département. Alors tout de même, quelques mots sur les raisons de votre présence. Votre forum, son thème, les métamorphoses des archives et du métier d'archiviste au contact du numérique, est particulier. Sachez donc que l'Aube est très impliquée dans le domaine de la dématérialisation et de l'archivage électronique. Il est reconnu pour son expertise et sa capacité d'innovation. Mais n'étant pas un spécialiste, je laisserai d'autres en parler et ils sauront le faire mieux que moi. À cet instant, je voudrais remercier la DTIC, la Direction des technologies de l'information et de la communication, son directeur Philippe Ricard et Céline Guyon, qui se trouve à la tribune, qui préside le comité scientifique et d'organisation du forum, l'équipe des archives départementales et son directeur Nicolas Dorman. Et puis, saluer nos partenaires, l'Université de technologie de Troyes, et notamment le labo TechCito, la ville de Troyes et le Grand Troyes, la maison de l'outil de la pensée ouvrière, l'association Renaissance de l'abbaye de Clairvaux, le comité départemental de tourisme. Maintenant, assez parlé, bon congrès dans l'Aube, bon travail fructueux, et si vous êtes conquis par notre département, séduit par notre département, devenez-en de bons ambassadeurs. Merci. Madame la Présidente, chère Catel, Monsieur le Président, Madame la Directrice des Archives nationales, chère Françoise, Monsieur le Directeur des Archives départementales de l'Aube, cher Nicolas, Mesdames et Messieurs, chers collègues et amis, je vous prie tout d'abord d'excuser Hervé Lemoine, retenu au cabinet de la ministre Audrey Azoulay ce matin. Il n'a jamais manqué, jusqu'à présent, les rendez-vous importants
de la communauté des archivistes et regrette vivement de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Il m'a chargé de vous dire, Madame la Présidente, à quel point il attache une grande importance à l'Association des archivistes français, à son activité, à sa vitalité. La communauté des archives, la fonction archive dans la société et les archives elles-mêmes ont absolument besoin à la fois d'une administration des archives et d'un réseau des services publics d'archives puissants, et aussi d'une association professionnelle active et influente. Dans un monde où les archivistes doivent être combatifs pour rester au cœur de la gestion de l'information et garantir ainsi les droits de nos contemporains et des générations futures à l'histoire, à la mémoire et à l'accès aux documents nécessaires à l'établissement des droits, nous devons unir nos forces. Dans un monde qui bouge, dans un temps qui s'accélère, l'archiviste, qui est l'un des rares à avoir la perception du temps long, doit absolument faire entendre sa petite, sa grande musique, l'AF, à la sienne, à jouer, et elle la joue très bien. Elle a su la faire entendre à l'occasion des marathons législatifs en cours. Nous avons ainsi pu agir de concert et pouvons nous féliciter des résultats obtenus. Introduction du terme de données dans la définition des archives, révision des conditions de mutualisation de la fonction archive, interdiction de démembrement des fonds d'archives privés classés comme archives historiques ou encore extension du périmètre des archives publiques. Ce sont quelques exemples des avancées que nous avons obtenues ensemble. Et nous avons remporté d'autres succès. Je citerai au premier chef, surtout en ce jour d'ouverture de ce grand forum sur le numérique et les archives, donc je citerai au premier chef le recul de la Commission européenne sur le règlement relatif à la protection des données à caractère personnel, qui accordait initialement une prime absolue au droit à l'oubli, sur le droit à la mémoire, et n'envisageait le versement dans les services d'archives que de données anonymisées ou pseudonymisées. Ce projet signait la fin des archives. Il a fort heureusement pu être corrigé grâce à la mobilisation collective inédite portée par une pétition de l'Association des archivistes français et grâce au travail patient pendant 3 ans de 2 collègues des archives de France, Aude Roëlly et Marie Ranquet. Donc merci à vous tous d'avoir combattu sur ce dossier particulièrement important pour les archives en France et en Europe. D'autres combats juridiques restent à mener et d'autres sûrement à l'avenir que nous n'avons pas encore identifiés. Et je sais que nous pourrons compter de nouveau sur vous et travailler ensemble. Nous sommes réunis ce matin à Troyes pour l'ouverture du 2e Grand Forum des archives organisé par l'Association des archivistes français sur le thème du numérique avec ce formidable titre « Métamorphose et les archives bouillon de culture numérique ». Le numérique, en effet, bouleverse profondément la société et provoque une véritable mutation de nos métiers et de nos pratiques. Les volumes d'informations, leur vitesse de circulation, leur mode de création, les usages qui en sont faits, le perpétuel mouvement créatif, l'enrichissement, la redistribution, les exigences nouvelles des publics font de la mutation numérique une révolution culturelle sûrement plus radicale encore que celle qui a été vécue au XVe siècle avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Cette 2e édition du Forum de l'AF vient donc fort opportunément questionner les métamorphoses des archives au contact du numérique. Dans un cadre juridique qui fait des documents et données des archives dès leur naissance, l'archiviste est aussi un data officer, un administrateur des données en français, bien sûr. C'est important d'utiliser cette langue entre nous. Il réinterroge ses pratiques sur le fondement de grands principes au vocabulaire renouvelé, pérennité, intégrité, authenticité, accessibilité, interconnectivité, partage, etc., mais qui s'inscrivent dans la grande chaîne archivistique classique et les fameux 3, 4 ou 5 C béaba de nos formations d'archivistes. Nous sommes aujourd'hui face à un tableau à plusieurs entrées. Le numérique nous force à croiser les concepts pour faire émerger des solutions doctrinales et techniques, philosophiques et
politique. Ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. C'est à cet exercice stimulant que vous allez vous livrer pendant ces 3 jours. Vous allez parler archivage numérique, qui est effectivement l'un des enjeux majeurs du numérique aujourd'hui pour les archives. Vous parlerez bien évidemment du grand programme interministériel VITAM et des autres projets d'archivage numérique. Vous allez parler encodage, web de données, identifiant, référentiel, open data, diffusion en ligne, public internet, web collaboratif, portail, réseaux sociaux. La liste est longue et n'est pas exhaustive, mais l'on voit par ce nouveau vocabulaire à quel point les archives sont en pleine métamorphose. Je vous souhaite, au nom d'Hervé Lemoine, d'excellents travaux et félicite encore l'AF, sa présidente et toute l'équipe qui a organisé cette superbe manifestation. Merci à vous. Monsieur le vice-président, monsieur le sous-directeur, cher Bruno, mesdames et messieurs les élus du conseil d'administration et des sections, chers collègues, chers amis, chers tous. J'éprouve beaucoup de joie à ouvrir notre 2e forum des archivistes, Métamorphose, les archives, bouillon de culture numérique, devant une assemblée encore plus nombreuse et intimidante que lors de notre première édition à Angers. Je dois dire que l'organisation de ce forum tient beaucoup à la recette transmise par Xavier Delasselle, qui était à ma place il y a 3 ans déjà et que je salue. Voici donc cette recette. Vous prenez quelques dizaines de bénévoles, épluchés et découpés en gros morceaux. 5 permanents finement émincés. Vous ajoutez 3 bonnes louches d'enthousiasme, une pincée de rigueur et un zeste d'envie de rassembler la profession. Vous attendez que le tout arrive à ébullition, vous couvrez, vous baissez le feu. Vous n'avez plus qu'à laisser mijoter 18 mois dans une vieille marmite angevine en fonte, vous connaissez le dicton sur les marmites, les vieilles soupes, tout ça, avant de déguster bien chaud, entouré de vos collègues et amis. Certains d'entre vous savent que je suis moi-même une vieille marmite angevine, mais je les remercie de garder leurs commentaires pour l'arrière-cuisine. Ce forum, c'est d'abord un lieu, le centre de congrès de l'Aube en Champagne, et je remercie à grand bouillon le conseil départemental de son accueil chaleureux et de celui de ses services, le comité départemental du tourisme, la direction de l'informatique et les archives départementales, notamment, de nous avoir aidés à cuisiner cet événement. Nous aurons donc le plaisir de rencontrer Monsieur le Président du Conseil départemental demain soir lors d'une dîner de gala et il viendra clôturer nos débats vendredi. Je remercie également la ville de Troyes et je vous rappelle que nous sommes ce soir tous attendus au cocktail donné en notre honneur par François Baroin à 19h à l'hôtel de ville. Ce forum, c'est ensuite un thème, le numérique. Il y a quelques instants, Bruno Ricard signalait à quel point ce thème est d'actualité. Il est vrai qu'entre la directive européenne sur les données personnelles et la loi pour une république numérique, ainsi que la loi patrimoine, l'AF est très mobilisée et nous avons donc été rapidement d'accord pour choisir de traiter le thème du numérique. Quand j'ai découvert le programme mitonné par le comité scientifique, brillamment, et je pèse mes mots, orchestré par Céline Guyon, je dois dire que j'étais impressionnée par le niveau de technicité et de réflexion des contributions. Et je ne pense pas que Fred Funkan, président de la section SPA du Conseil international des archives, et Nathalie Berriot, présidente de la DBS, qui nous font l'amitié de leur présence, viendront me contredire. Vous me croirez difficilement, mais le choix du lieu et du thème n'avait rien de concerté. Mais quand on sait que le département de l'Aube a été le premier à mettre un système d'archivage électronique en production, que Céline Guyon, qui y officie, a accepté avec beaucoup de générosité d'être coiffée de la toque de présidente du comité scientifique et du comité d'organisation, et que Xavier Delasselle a été directeur des archives départementales de l'Aube, la boucle est bouclée, il n'y a donc pas de homard, de hasard. Excusez-moi. Ce forum, bien sûr, ce sont des partenaires financiers,
Brunzel, Ligéo Archives, Saint-Gobain, Ricoh, des sponsors, Novarchive et Dix, et des partenaires projets. Nimoda Denko pour l'application. Si vous n'avez pas encore l'appli, téléchargez-la, c'est super pratique pour faire son programme. 1 égale 2 pour le site internet. L'agence Graphica pour les créations graphiques. Nous inaugurons cette année une formule de rapide démo qui, je l'espère, satisfera le plus grand nombre. Je remercie tous nos partenaires de leur grande implication et j'espère que le résultat parlera de lui-même. Ce forum, enfin, c'est une vraie ruche pleine d'abeilles. 875 participants et intervenants seront entourés de 5 méta-reporters, des étudiants de la formation d'assistants archivistes que nous soutenons avec l'APSV, d'un dessinateur, de 2 journalistes et de l'équipe des archives départementales de l'Aube qui vous tendra les micros pendant les échanges. C'est également un salon de 22 exposants que je remercie de leur présence et auquel je souhaite beaucoup de succès. Vous êtes d'ailleurs tous cordialement invités à l'inauguration du salon des exposants à 12h30. C'est une occasion également d'échanger avec les bénévoles et les salariés de l'AF, mais évitez de trop les cuisiner quand même. Nous vous attendons au stand de l'AF, au point rencontre, au forum des métiers, au data sprint et bien sûr aux assemblées générales jeudi matin. Sous les couvercles des marmites mijotent de grandes passions, a dit Christian Millau. Vous voyez Millau, le goût Millau. Eh oui, c'est un auteur latin très célèbre. Et pour transmettre ses passions, il faut des passionnés. Céline Guyon fait partie de cela. Avant de passer donc la parole à notre reine des abeilles, notre chef cuistot, qui va nous présenter le menu, permettez-moi de vous souhaiter 874 belles rencontres. Bon forum à tous. Bonjour, merci Catel, chers collègues, chers amis. C'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que j'ai accepté de présider les comités scientifiques et d'organisation de cette deuxième édition du Forum des archivistes. Car certains d'entre vous le savent certainement, c'est en effet ici à Troyes que j'ai franchi une étape de ma métamorphose puisque je suis maintenant depuis près de 5 ans une archiviste dans une direction informatique. Le numérique a transformé et continue de transformer en profondeur les conditions de création, de collecte, de conservation, de communication, de diffusion, de valorisation et de réappropriation des archives. Les archivistes ont largement investi le champ de la réflexion en questionnant depuis maintenant de nombreuses années, comme en témoigne le dernier numéro de la Gazette des Archives dont la parution est concomitante à la tenue de notre forum. Les archivistes, donc, ont largement investi le champ de la réflexion et questionné les impacts du numérique sur les grandes fonctions de l'archivistique et les pratiques de nos métiers. Pour autant, notre métamorphose est-elle en voie d'achèvement ou commence-t-elle seulement ? C'est dans cet état d'esprit que le comité scientifique, dont je remercie ici chaleureusement les membres pour leur implication, bonne humeur et bonnes idées, vous a mitonné un programme riche, varié, copié et nous l'espérons équilibré. Au menu donc, 15 sessions, 90 interventions réparties en 5 thèmes et 4 assaisonnements sous la forme de conférences, tables rondes, ateliers mécano et ateliers retour d'expérience. Le programme de cette deuxième édition du Forum des archivistes est une invitation à penser les transformations des archives, donc les archives en tant que support d'une information, mais aussi les transformations du métier d'archiviste, l'archiviste en tant que gestionnaire de l'information et garant d'un patrimoine commun et de qualité autour de 4 axes fédérateurs. La qualité, l'ouverture, les usages et usagers et l'identité enfin. La qualité, car avec l'open data et le big data, la qualité des données et leur contextualisation est essentielle pour faciliter leur compréhension et leur manipulation. Dans un billet récent sur le blog Internet Actu, à propos des technologies entre magie et perte de contrôle, il était écrit « La perte du contexte est une perte de contrôle ». L'ouverture, car longtemps l'ouverture des archives a évoqué l'accès aux salles de lecture et aux archives incommunicables. Aujourd'hui, on parle d'open data, d'e-gouvernance, de réutilisation des données publiques. Les usages et usagers, car l'utilisation des archives connaît une évolution majeure.
Les archives circulent, sont transformées, commentées, modifiées, réappropriées, remixées et bénéficient d'un engouement sans précédent. L'identité, enfin, parce qu'on assiste à une forme de métissage des pratiques des professionnels de l'information dont font partie les archivistes. Cette édition du forum est également une invitation à la curiosité et à la création avec le Data Sprint. Car si les services d'archives sont nombreux à diffuser sur leur portail web des inventaires, des bases de données, documents numérisés, finalement les expériences de réutilisation, de visualisation, de remix d'archives sont encore trop rares. N'hésitez donc pas à venir échanger, discuter, cuisiner les données avec les équipes du Data Sprint chaque jour en fin de journée, salle Bernard de Clairvaux. La séance de clôture du forum sera également l'occasion de découvrir l'ensemble des projets, maquettes et réalisations, soit plus d'une quinzaine de propositions. Nous avons également souhaité, à l'occasion de cette seconde édition du forum, apporter une attention toute particulière aux jeunes et futurs collègues dans le cadre du forum des métiers. En effet, dans un événement comme celui-ci, on n'ose pas toujours interpeller les personnes que l'on ne connaît pas. Les méta-coachs, reconnaissables à leur badge jaune fluo, sont là pour cela. Alors surtout, jeunes collègues et futurs collègues, n'hésitez pas à les interpeller. Et comme l'évoquait Catel, le Forum des métiers, c'est également une équipe de 5 méta-reportrices, étudiantes et futures archivistes, qui couvriront le forum par leurs comptes rendus, reportages et interviews. Tous les ingrédients sont donc réunis pour faire de cette deuxième édition du Forum des archivistes une belle et riche aventure intellectuelle et conviviale. Avec, cerise sur le gâteau, une poignée de malice, avec Daniel Casanave, auteur de BD qui croquera le forum, une dose d'humour, ne l'oubliez pas, vendredi nous sommes le 1er avril, un zeste ludique avec le géocaching, et même une pincée de frustration, car je vous entends déjà dire, c'est difficile de choisir car tout est intéressant. Le numérique est, j'en suis convaincue, une formidable opportunité pour nos métiers. Il ne tient qu'à nous de la saisir. Place donc à la réflexion, à la curiosité, dans un esprit résolument participatif et collaboratif. À table. À table. Je cède immédiatement la parole et la place à Bruno Bachimon pour la conférence inaugurale « L'archive et la massification des données, une nouvelle raison numérique ». Bruno Bachimon est directeur de la recherche à l'Université de technologie de Compiègne. Il travaille sur l'ingénierie des connaissances et des contenus dans une perspective pluridisciplinaire, mobilisant la philosophie de la technique et du numérique d'une part et l'ingénierie documentaire et ontologique d'autre part. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le Forum des archivistes de France de leur invitation dans ce magnifique centre de congrès et également de leur inconscience puisque en me donnant la parole, étant donné que je ne suis pas archiviste, ils ne maîtrisent absolument pas la nature des propos que je vais tenir. Mais au moins, à la fin, ils pourront dire « il a dit n'importe quoi, c'est normal, il n'est pas archiviste. Pourquoi diable y a-t-il des gens qui ne sont pas encore archivistes ?» Alors, je vais essayer de revenir sur des thèmes qui ont déjà été évoqués ici, à savoir la question du numérique, sachant que c'est le nouveau milieu dans lequel nous sommes tous. Le numérique n'est pas seulement un outil, c'est un milieu, c'est-à-dire c'est quelque chose qui reconditionne notre manière de nous relier au monde, relié à la culture, relié à notre environnement. Naguère, voire jadis, on pensait que la relation au monde se passait à travers la compréhension de sa physique. Aujourd'hui, il va falloir penser notre relation au monde à travers la compréhension des artefacts numériques qui permettent de nous relier à ce dernier. D'ailleurs, je vais commencer par tester un outil numérique qui est celui-ci. Voilà. Alors, je vais aborder la question du numérique déjà sous l'angle relativement simple de ce que fait le numérique au contenu et vous expliquer un petit peu d'où je parle et quelles sont les questions que je me pose quand je vais aborder la question du numérique. Alors, la matrice initiale, on est tous conscients de cette histoire du document, le document comme la permanence de l'événement, la mémoire de l'événement.
D'une certaine manière, nous avons une transaction qui est éphémère, un événement qui est ponctuel, c'est ce qui arrive au sens étymologique du terme. Eh bien, on veut en fixer dans la pérennité d'un support, dans la permanence de la lecture qu'il permet, eh bien, de fixer la mémoire de cet événement. Alors, c'est pour ça que, traditionnellement, on a mis en place des outils qui permettent de fixer dans la durée cette mémoire de l'événement, à savoir la question des contenus. Un contenu, ce n'est jamais que un support interprétable, donc un support matériel qui est permanent à travers le temps, mais qui permet de donner, à travers sa forme sémiotique, eh bien, un contenu interprétable, que ce soit eh bien, un texte, une image, etc. Et donc, nous avons une trace qui donne lieu à un travail interprétatif, et d'où la question de pouvoir maîtriser les conditions d'interprétation de la trace, mais d'une certaine manière, la question ne se pose qu'à un niveau, on va dire, sémiotique et culturel, c'est-à-dire qu'il faut apprendre les interprétants de la trace pour être capable d'en assurer l'interprétation, mais on n'a pas besoin de médiation technologique pour accéder à la consultation de la trace ou du document. On a affaire à ce que j'appelle des médiums perceptifs. Nous avons besoin de notre perception pour accéder à la nature du contenu, et à ce moment-là se fait place le travail d'interprétation à travers la maîtrise des codes culturels qui ont été utilisés pour produire cette trace, et des codes culturels qui sont nécessaires pour la compréhension, l'interprétation ex post de cette trace. Alors les choses ont un petit peu changé il y a quelques décennies, voire un siècle, avec l'invention du codage, c'est-à-dire qui permet de décomposer ce qui était jusque-là pour nous des documents en, d'une part, une ressource codée qui n'est accessible qu'à travers une médiation technique et qui donne lieu à des vues publiées, c'est-à-dire que le document que l'on consulte n'est jamais que la reconstruction à partir d'une ressource codée qui, elle, devient permanente. Et donc on a affaire à des médiums technologiques, comme par exemple du visuel, le numérique de manière générale, où on voit que le travail de la permanence documentaire est réparti maintenant sur deux objets. Premièrement, on va avoir la ressource codée, oui ça marche, la ressource codée qui va assurer le rôle de la permanence, mais malheureusement elle n'est plus directement consultable, on a besoin d'une médiation technologique pour pouvoir accéder à cette ressource, donc on a perdu la lisibilité pour avoir la permanence, et puis on a d'autre part la vue publiée, reconstruite à partir de la ressource codée via une médiation technique, où là on accède bien à une lisibilité, on voit et on perçoit quelque chose, mais en revanche elle est dans l'éphémère de la consultation, le temps de l'ouverture de mon écran, de ma télévision, de mon écran d'ordinateur, etc. Et dès lors que je referme l'écran, eh bien, cette vue publiée disparaît. Et donc je vois qu'avec un contenu initial qui assure à la fois et la permanence et la lisibilité, j'ai désormais affaire à un complexe documentaire où j'ai une ressource permanente mais pas directement lisible, et une vue publiée lisible mais éphémère, et c'est l'ensemble des deux seulement qui permet d'assurer la conservation de la permanence et de la lisibilité du contenu, c'est-à-dire la mémoire de l'événement. Et donc, outre la maîtrise des conditions d'interprétation, il faut aujourd'hui avoir la maîtrise des conditions de lisibilité technique et de lutter contre le fameux fossé d'obsolescence, c'est-à-dire le fait qu'il y a un décrochage progressif entre les conditions techniques de la ressource et le système technique contemporain qui permet d'y accéder, et donc de pouvoir recouvrer la nature du contenu et le consulter. Donc tout cela est bien connu, mais on s'aperçoit que déjà on rentre dans une complexité à laquelle le document dans son histoire nous avait pas habitué, c'est-à-dire que désormais on a l'éphémère de la consultation qui doit se construire à partir de la permanence de la ressource, mais ressource qui devient en tant que telle illisible sinon par une médiation technologique. Alors le numérique en rajoute, si j'ose dire, une couche, dans la mesure où le numérique a introduit un principe de codage universel, où on voit que le numérique est un support, on va dire, à la fois anonyme et gyrovague. Anonyme dans la mesure où le code numérique, les 0 et les 1 qui constituent notre code, eh bien, ils sont littéralement sans sémantique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une suite de 0 et de 1 ne disent jamais de quoi ils sont, les 0 et les 1. Il faut une convention technique externe, extrinsèque, arbitraire par rapport à ce code binaire pour pouvoir le lire. Une expérience que l'on peut tous faire, hein, si vous prenez un flux binaire, si vous le mettez dans un player audio, vous entendrez quelque chose. Si vous le mettez dans un player vidéo, vous verrez quelque chose. Et c'est-à-dire que le binaire en soi, c'est simplement un codage qui, étant totalement non sémantique, peut être lu de multiples manières.
Alors l'intérêt de cette non-sémanticité du numérique, c'est non seulement le fait qu'on peut le relire de manière arbitraire, mais surtout on peut le coder mécaniquement et machinalement sur des supports physiques. Ce qu'on va retrouver via la notion d'implémentation matérielle, où je peux dire, sans dire de bêtises, que j'ai le même fichier numérique sur, par exemple, un support optique comme un DVD ou un support magnétique comme un disque dur, qui pourtant, d'un point de vue physique, n'ont absolument aucun rapport et sont incommensurables du point de vue des principes physiques qui les régissent. Et donc, le numérique, de ce côté-là, permet de créer une couche conventionnelle arbitraire qui unifie la diversité des supports physiques et qui, en même temps, ouvre un espace interprétatif inédit, puisque le numérique, c'est un support à inertie sémantique nulle. Hein, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait, le numérique oppose aucune résistance au changement d'interprétation. Il suffit juste d'avoir un autre codec, un autre player, une autre manière de le lire. Alors évidemment, ces choses-là sont bien connues et sont par exemple très bien utilisées par les artistes. Si vous prenez un concert, par exemple, ce qu'on peut voir à l'IRCAM, eh bien, vous allez avoir une prestation instrumentale qui va donner lieu à un enregistrement numérique en temps réel, qui après donne en temps réel une lecture qui va être projetée sur un écran également en temps réel, ce qui fait que ce que vous allez voir est simultané, coïncident temporellement avec ce que vous allez entendre. Mais entre les deux, vous avez un arbitraire de la désémantisation du son en flux binaire et la resémantisation du flux binaire en image. Et donc, les deux n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, sinon une trace causale qui ne respecte pas du tout les relations de ressemblance entre le son et l'image, bien sûr. Mais comme on les entend, les deux, qu'on entend et qu'on voit en même moment, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de vouloir, nous, animaux sémiotiques que nous sommes, créer un lien entre ce que nous entendons et ce que nous voyons. Alors, c'est évidemment l'effet esthétique qui est recherché par l'artiste qui est l'auteur de ce type de dispositif, et il joue à plein sur cette possibilité technique inédite du numérique d'être un support technique sans sémantique propre et qui dépend uniquement de la manière de le relire pour lui donner un sens appréhendable. Les arts médiatiques, c'est toujours intéressant dans la mesure où c'est des artistes qui vont explorer les possibles techniques inédites. Donc, en général, ils voient beaucoup mieux et beaucoup plus loin que les ingénieurs les possibilités des techniques qui sont créées. Et à ce titre-là, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé discuter et travailler avec les artistes des arts médiatiques, dans la mesure où c'est un fantastique laboratoire pour comprendre tous les problèmes de type archive, de type mémoire que le numérique va pouvoir nous poser. Une œuvre d'art numérique est un concentré en lui-même de tous les cauchemars que l'on peut rencontrer dans le monde de l'archive et de la mémoire. Donc de ce côté-là, c'est toujours très intéressant de pouvoir rencontrer cet univers et de comprendre comment est-ce qu'il travaille. Par contre, c'est des chantiers qui rendent fou. À la fin, vous disparaissez avec les œuvres que vous n'êtes pas capable de conserver. Il y avait une petite blague qu'on avait à l'IRCAM lorsqu'on travaillait sur des projets de conservation, c'est que la conservation d'une œuvre de l'IRCAM, la plus efficace, c'était de garder le numéro de téléphone de l'assistant musical qui avait permis de concevoir l'œuvre, parce que tout le reste, c'était des patchs techniques qui étaient devenus illisibles au cours du temps, ce qui fait que, notamment, près de 70% du catalogue n'est quasiment pas rejouable aujourd'hui. Hein, la complexité technique amène à ce qu'on pourrait croire faire partie du répertoire n'est plus répétable. Et donc, ça pose évidemment des problèmes assez importants. Alors, le document tel qu'on l'a vu, on voit bien que d'une unicité première, on va dire, où l'objet lisible, permanent, permet de garder la mémoire de l'événement, eh bien, aujourd'hui, est décomposé en une ressource permanente, mais qui doit donner lieu à une vue publiée. Et aujourd'hui, on a encore abstrait la chose en parlant désormais de données, qui donne lieu à des interprétations qui se manifestent par des visualisations de données, l'infovise, hein, comme le domaine consacré s'appelle. Alors en fait, on a, si on veut synthétiser, on a quand même trois étapes où on peut comprendre et d'une certaine manière schématiser l'influence du numérique sur le monde du document. La première chose, c'est qu'on a eu une numérisation des documents où on a un petit peu transféré sur le numérique des pratiques qu'on dépossédait déjà dans le monde physique, on va dire. Donc c'est le monde de la recherche documentaire avec le paradigme de la bibliothèque. Et puis, progressivement, on est passé de la bibliothèque numérique à la notion de ressources annotées, où là, le paradigme, c'est le web des données, le web sémantique, avec non plus des documents qui sont directement accessibles, mais des ressources ou des fragments documentaires
qui deviennent autonomes les uns à partir des autres et qui n'existent qu'à travers leur annotation, qui est en général formalisée avec des formats de type RDF, etc. Et puis, plus récemment, on parle désormais de la donnée manipulée avec un paradigme qui est celui des big data, où on a des données qui sont d'une certaine manière insignifiantes de manière isolée, mais qui par leur masse permettent de construire des effets de sens et qui sont restitués à travers des visualisations qui sont toujours saisissantes parce que très belles, très suggestives, mais toujours difficiles à interpréter puisque le problème des big data, c'est qu'on sent que ça doit pouvoir nous apporter quelque chose, mais on essaye de comprendre encore quoi. Ce qui fait qu'on a deux problématiques nouvelles qui sont apparues avec le numérique dans le contexte documentaire. La première par rapport à la décomposition que le numérique a apporté aux notions de documents, ce que j'appelle c'est le nominalisme de la variante, c'est-à-dire qu'on a une tension entre la ressource permanente d'un côté et la vue publiée, et ce qui est manifeste avec le numérique, c'est qu'il y a plusieurs manières de publier une ressource permanente. Et donc on va avoir une multiplicité de variantes opposées à une ressource qui est par elle-même permanente et relativement unique, on va dire, en tout cas intègre dans sa définition numérique. Et donc la difficulté, c'est de pouvoir gérer le rapport 1N, c'est-à-dire le rapport de la ressource versus les N vues qui permettent de la consulter. Et on s'aperçoit que la tension documentaire se déplace de l'intégration, de la préservation pardon, de la ressource vers le fait de prendre en compte que le document, c'est la vue éphémère que l'on est en train de voir, et donc de redonner un poids à la variante, c'est-à-dire à la vue publiée, et donc de passer de l'essence du document dans la ressource vers sa manifestation individuelle et singulière, qui est la vue publiée. D'où la notion de nominalisme, comme je reviendrai à l'instant. Ce nominalisme fait qu'on doit perdre, on doit renoncer à l'essence documentaire pour aborder une ontologie de la variante, c'est-à-dire le fait de considérer que le document n'existe plus qu'à travers des variantes protéiformes et qui possèdent chacune leur propre légitimité singulière. Et puis enfin, deuxième niveau, une tension donnée-visualisation qui est plus récente, qui est le nominalisme de la donnée, puisque on a la donnée qui devient le vecteur de l'intelligence et de la compréhension du fait social et du fait humain, et donc l'interprétation à la big data, eh bien, ça permet de renégocier un nouveau rapport à la culture, un nouveau rapport à la mémoire. Et mon propos, c'est de dire que autant le nominalisme de la variante ne fait que renouer en fait avec des savoirs que l'archivistique possède depuis très longtemps, et d'une certaine manière, c'est bien des gens qui sont bien prêts à assumer cette conséquence du numérique, c'est le monde de l'archive, puisque si on prend le très joli petit livre de Bernard Seguiglini, Éloge de la variante, on voit très bien que c'est exactement cette tension qu'il travaille, simplement il le fait avec le manuscrit médiéval, mais le numérique nous réapprend que ces vieilles leçons sont toujours pertinentes. Donc le nominalisme de la variante n'est pas un problème, au contraire, c'est un acquis de la profession et de la culture archivistique, et elle sait parfaitement gérer cette tension propre au numérique. En revanche, il me semble, et ça c'est pas propre aux archivistes, c'est un problème qui nous est posé collectivement, les big data posent un problème de nominalisme de la donnée et du statut du fait humain quand il est reconditionné à travers des traitements statistiques appliqués sur du numérique et des données qu'on ne prend plus la peine de lire, mais qu'il suffit désormais de calculer. Et donc on aura cette tension calcul-interprétation qu'il faudra certainement reconsidérer. Alors abordons ces révolutions nominalistes, mais déjà avec un petit interlude, puisque le nominaliste doit fleurer bon des mots que vous avez entendus peut-être naguère ou jadis dans vos parcours universitaires et scolaires. Qu'est-ce que je veux moi précisément dire par cette notion de nominaliste? Ben, c'est cette notion assez simple qui est apparue au cours du Moyen-Âge, mais qui a connu un acmé avec Guillaume d'Occam, par exemple. Guillaume d'Occam, on l'avait rencontré grâce à Umberto Eco, malheureusement récemment disparu, dans Le Nom de la Rose. Hein, vous vous souvenez, c'était Guillaume de Baskerville qui faisait des leçons de nominalisme au jeune Atso dès la première page du roman, puisque Atso, il voit un cheval, il dit « Ah, je vois le cheval ». Et Guillaume de Baskerville lui explique « Non, tu vois un cheval, et ce cheval, c'est la réalité du cheval, la chevalinité ou l'équinité n'existe pas en tant que telle. » Et donc c'était la première leçon nominaliste que le jeune Oblat Atso recevait de son maître Guillaume.
Alors, qu'est-ce que signifie ce nominalisme? Eh bien, c'est la critique, en règle, du rapport entre le langage et le monde que l'on avait jusque-là, à savoir ce qu'on a appelé le réalisme médiéval. En gros, l'idée, c'est de dire que lorsque j'ai une phrase et qu'elle est bien construite en respectant les règles logiques et syntaxiques, eh bien, l'agencement syntaxique de la phrase reflète l'organisation du monde. Quand je dis que l'homme est un animal, ça veut dire que l'essence de l'homme possède parmi ses propriétés l'essence d'animal. Et donc, la phrase « l'homme est un animal », dans sa structure sujet prédicat, copule prédicat, eh bien, reflète l'organisation du monde à travers les essences et les entités qui le constituent. D'où l'importance de maîtriser les arts du langage, le fameux trivium médiéval, puisque c'est dans la compréhension du langage que l'on peut comprendre le monde. Et donc l'organisation des mots reflète peu ou prou l'organisation des choses. Eh bien, le nominalisme médiéval a totalement ruiné cette conception en disant que le monde n'est fait que d'individus, il n'y a pas d'essence, et donc du coup, l'organisation du langage, l'organisation des mots ne reflète pas l'organisation des choses, et donc il n'y a pas à rechercher dans les lois du langage les lois du monde. Et donc, en faisant cette abolition de cette relation classique entre le mot et la chose, eh bien, le nominalisme médiéval a ouvert la place pour la recherche d'une nouvelle relation entre le mot, entre la pensée et la nature, et notamment ce qui sera occupé par le paradigme calculatoire et expérimental qui a commencé avec la calculatrice d'Oxford, mais qui évidemment a été consacré par la révolution galilo-cartésienne. Donc vous avez un texte déjà ancien, par exemple de Hans Jonas, qui montre, qui argumente le fait que la vraie révolution scientifique, c'est pas celle du XVIe et du XVIIe siècle, comme souvent on l'avance, ça s'est passé plutôt au XIIIe siècle, avec ce nominalisme qui a aboli la relation classique du mot à la chose pour pouvoir ouvrir un autre rapport au monde, mais ce monde de la nature. Eh bien, ce qu'on vit aujourd'hui, à mon sens, c'est qu'on a une deuxième révolution nominaliste, notamment avec les big data, mais cette révolution nominaliste ne concerne plus le monde de la nature, comme on l'a connu au XIIIe siècle, c'est plus la relation du mot à la chose, c'est la relation du mot au fait humain qui est, et au fait social qui va être conditionnée. Désormais, on n'a plus besoin de lire nous-mêmes les documents pour les interpréter, il suffira de les rassembler en masse suffisante pour les calculer et pouvoir les interpréter et produire des prédictions ou des anticipations ou des visualisations de ce qui est extrait de ces informations. Et donc, au lieu d'avoir un rapport à la culture qui repose sur la médiation de la langue et la compréhension de l'humain, eh bien, on a désormais une relation qui est fondée sur le calcul. Simplement, alors qu'au Moyen-Âge, c'était une relation de calcul qui remplaçait la relation de l'homme à la nature, là, ça va être une relation du calcul qui remplace la classique relation de l'homme à la culture à travers sa compréhension du langage. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans cette révolution nominaliste qui concerne les sciences de la culture? C'est tout simplement qu'avec le numérique, nous avons en face de nous des masses considérables de données qui donnent au paradigme calculatoire un espace de jeu inédit qu'il n'avait jamais trouvé par ailleurs. Donc, tout le monde connaît les grandes bases de données qui fleurissent ça et là, les bases de données institutionnelles, comme par exemple l'Institut national de l'audiovisuel, Auguste Maison, que je salue ici, puisqu'il y a certains de ses représentants, et avec laquelle j'ai collaboré pendant de longues années. Donc, il ne faudra pas dire ici que j'ai dit du mal de l'INA. Hein. En tout cas, s'il y en a qui le disent, je saurai qui c'est. Et par ailleurs, vous avez d'autres bases, comme YouTube, etc., qui également engrange un nombre considérable de données, sans parler de tout ce qui est les métadonnées commerciales, quand l'on rassemble ça et là, etc., sont des choses qui sont bien connues. Et donc cette révolution nominaliste, elle remplace l'analyse quantitative de la culture à travers la compréhension langagière par une analyse statistique et quantitative. Et donc le rapport à l'humain et au social change totalement de nature hein, par rapport à cette exploitation des données. Donc c'est pour ça que je parle de révolution nominaliste, c'est que le nominaliste change complètement notre rapport au monde. Jadis, ce fut avec la culture, avec la nature, et maintenant nous négocions un nouveau rapport à la culture à travers ce nominalisme de la donnée, qui à mon sens est pour nous véritablement problématique, alors que le nominalisme de la variante sur lequel je vais revenir maintenant, lui n'est pas problématique, même si c'est un fait massif auquel nous devons nous adapter.
Je n'ai pas du tout regardé l'heure, donc je ne sais pas du tout où j'en suis. Mais comme j'ai dit aux organisateurs, de toute façon, je ne tiendrai pas mes délais. Je ferai comme eux. Hein. Oui, autant que les choses soient claires, ça évite de... voilà. Alors, le numérique, au début, ça a commencé comme une belle histoire, une belle nouvelle, une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, on avait les chantres du numérique, les petites sirènes du numérique qui disaient « Rentrez chez vous, braves gens, la solution, nous la tenons, elle s'appelle le binaire ». Alors pourquoi ? Parce que le binaire, il permet de lever deux obstacles quasi mythiques pour la manipulation et l'usage des documents, à savoir le fait de faire des copies parfaites, ce qui permet d'une part de rendre un document accessible à plusieurs endroits à la fois, grâce à ces copies dupliquées qui sont parfaites, bit à bit, hein, et puis également de pouvoir pallier la corruption des supports, tout simplement en recopiant de manière parfaite, bit à bit, un support, avant que sa corruption physique n'altère les conditions de la relecture du document. Et donc, on avait le fantasme du document ubiquitaire et éternel qui apparaissait grâce à un substrat binaire, puisque le binaire, comme je le disais tout à l'heure, il permet d'être identique malgré la diversité des supports physiques, et d'autre part, son côté binaire, 0 et 1, eh bien, ça permet de pallier des défauts physiques, par exemple sur les bosses et les trous d'un support optique, tout simplement parce que la seule chose qu'on demande à une bosse, c'est d'être différent d'un trou, la seule chose qu'on demande à un trou, c'est d'être différent d'une bosse, parce que comme ça, on peut reconnaître un 0 et un 1. Et donc, avant que le trou soit indiscernable de la bosse, le DVD peut subir quelques tracas, quelques déboires avant que sa lecture ne devienne impossible. Bon, malheureusement, ça devient quand même impossible assez rapidement. Vous connaissez tous le rapport de l'Académie des sciences il y a quelques années qui disait qu'un DVD bien propre sur lui, bien comme il faut, ça dure à peu près en moyenne entre 10 et 20 ans, pas plus. Ce qui fait que même si le support numérique apporte en théorie la copie éternelle et ubiquitaire, il le fait via des supports physiques qui sont d'une complexité et donc d'une fragilité inédite dans l'histoire de l'humanité. Et donc, pour pallier le mot de Churchill, j'ai envie de dire que le numérique, c'est le pire des supports, mais je n'en connais pas de meilleur. Alors, évidemment, ce rêve numérique, il a été confronté à d'autres éléments, puisqu'on a les quatre cavaliers de l'apocalypse du numérique, que vous connaissez bien. Puisque entre les documents que l'on va avoir et le substrat binaire qui en rend compte, eh bien, on a les quatre cavaliers qui vont chacun casser les sceaux pour nous ramener à la dure réalité de la vie concrète du numérique. Et donc, on a déjà la fameuse question des formats, hein, puisque évidemment, personne n'a jamais affaire à des 0 et des 1. Les 0 et les 1, on les a affaire soit en tant qu'ingénieur, c'est des trous et des bosses, soit des tensions magnétiques, c'est haut ou bas, soit on va le lire à travers des interfaces qui exploitent des formats. Mais la chose qui est très dérangeante avec le numérique, c'est que nos ressources en tant que telles ne sont jamais directement accessibles. Elles ont, pour reprendre le vocabulaire kantien, quasiment un statut nouménal. On ne les voit qu'à travers les phénomènes qu'elles manifestent, les interfaces à travers nos écrans d'ordinateur. Même le programmeur, eh bien, il ne voit les ressources qu'à travers le code qu'il écrit. Il ne voit les ressources qu'à travers les manipulations qu'il effectue à travers les instructions de son programme et l'interface programmeur. L'utilisateur ne les voit qu'à travers l'interface utilisateur. Ce qui fait que le substrat binaire qui est sur votre disque dur ou ailleurs, il est totalement inaccessible en tant que tel, sinon par une médiation. Mais il n'y a jamais de rapport immédiat, c'est-à-dire sans médiation, avec le substrat binaire. Et c'est ça qu'on oublie quand on parle souvent du numérique, notamment du paradis du numérique, c'est que eh bien, la manifestation passe par un cadre, on ne va pas dire transcendantal, mais un cadre de manifestation du numérique qui est les formats, les métadonnées, bien sûr, qui sont d'autres formats également, évidemment l'enfer des applications et le dernier enfer des plateformes. Ce qui fait qu'avec tout ça, au lieu d'avoir un contenu qui reste identique à lui-même et qui va pouvoir redonner le document qu'on lui a confié, on va avoir en fait un substrat binaire qui va s'exprimer à travers un empilement de couches qui va à chaque fois va introduire sa petite variabilité, ses petites particularités qui vont faire qu'on ne verra jamais deux fois de suite de la même manière le document. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une permanence parménidienne quasiment éléatique du substrat binaire qui traverse le temps de manière inaltérable, etc., nous sommes désormais dans le flux
héraclitéen, c'est-à-dire qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve numérique. Et comme on l'a constaté nous-mêmes en regardant nos interfaces web, on ne voit jamais deux fois la même page. En tout cas, on retrouve toujours la machine à laver qu'on vient de commander juste avant sur Amazon. Alors, tout cela, ça introduit que du paradis perdu, qui est, on va dire, le livre de manière paradigmatique, mais qui est le médium perceptif, où ce que je vois, c'est ce que j'ai conservé, ce que j'ai conservé, c'est ce que je peux lire. On a connu la rupture, la pomme de l'audiovisuel, qui nous a chassés de l'Éden du paradigme livresque, puisqu'on a dû dissocier la ressource permanente par rapport à la vue republiée à partir de la ressource. La seule chose, c'est que l'audiovisuel étant mécaniquement assez simple, désolé pour les gens du numérique audiovisuel, mais l'audiovisuel est un numérique simple par rapport aux autres numériques qu'on a aujourd'hui, eh bien on a un rapport 1-1, on va dire, entre ce que j'ai conservé et ce que je lis. Donc la rupture qu'a introduit l'audiovisuel fut bien gérée, absorbée par le monde documentaire. Mais désormais, ce que nous avons, je vais y arriver, hop, voilà, nous avons, c'est une ressource numérique qui, à travers une reconstruction qui est désormais programmée et qui va faire appel à des informations sur le substrat conservé, mais également au contexte de l'information. Voilà, j'ai perdu mon pointeur. Ça marche pas. Ah si, il est là. Voilà, donc on a la ressource permanente, on a le programme qui va exploiter ce qu'il y a sur la ressource, mais évidemment tout ce qu'il y a autour, et donc on va avoir une multiplicité de vues qui vont être construites à partir de la même ressource. Et évidemment, la difficulté, c'est de comprendre que ce que l'on a, nous, en tant que ressource, c'est un binaire qui est totalement inaccessible. En tant que 0 et 1, on ne peut n'y accéder qu'à travers, soit si on est ingénieur, on va l'absorber, y accéder par des moyens techniques et physiques, soit on est programmeur ou utilisateur, on va l'aborder via des interfaces. Et donc, la question qui va se poser, c'est quel rapport y a-t-il entre les différentes vues que je vais avoir et quel rapport y a-t-il entre la vue que je consulte et la ressource que j'ai conservée. Donc, les deux grandes questions qui se posent, c'est comment est-ce que je sais que ce que je vois est ce qu'il faut voir, quel rapport y a-t-il entre la ressource conservée et la vue publiée et consultée, et d'autre part, quelle est la commensurabilité des vues entre elles, en quoi est-ce qu'une vue est commensurable par rapport à une autre, commensurable au sens étymologique du terme, c'est-à-dire quelle est la mesure commune. Comment est-ce que je peux comparer, quelle est la commensurabilité de ces différentes vues. Alors, ça, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, puisque si on prend un contexte audiovisuel, on a déjà été habitué, par exemple, à des vues... Alors, je vais changer... Oui, ça marche. En espérant que ça fonctionne. Voilà. Alors là, vous avez donc des images qui sont connectées sur le web à un moment donné, et puis une archive qui est conservée, pour ne pas la nommer, l'Institut National de l'Audiovisuel. Et donc, ce que vous voyez, c'est typiquement des variantes, puisque vous avez une image qui a été légèrement améliorée en termes de contraste et sur laquelle on a rajouté des logos. Alors, on se dit, c'est pas très grave, ça, c'est des variantes, si on les a à ce niveau-là, on peut vivre avec. Mais vous avez des variantes qui sont plus intéressantes, c'est-à-dire des images qui ont été reconditionnées à travers... Ah, je vais aller un peu vite. Ouais, ça casse complètement mon effet, là. Ça, c'est nul, j'ai perdu tout mon effet. Alors, vous faites comme si vous n'avez rien vu. Hein. Voilà, vous êtes débonnaire. Voilà, alors, là, on va essayer de rester sérieux 5 minutes. Hop. Et donc, là, vous avez une image qui rediffuse, donc, Philippe... Si, Philippe Léotard. Oui, c'est François Léotard, c'est le politicien, voilà. Donc, Philippe Léotard. Et donc, vous voyez que la rediffusion a mis en noir et blanc l'image originale, parce qu'une archive qui se respecte, c'est en noir et blanc. C'est tout pourri, avec un son nul, etc. C'est ça, une archive, sinon on ne la reconnaît pas. Hein. Donc, on a mis ça sur voilà, décidément, à Sarkozy, il n'arrête pas de m'embêter. Hein. Voilà. Et donc, la question qui se pose, c'est imaginez que vous soyez dans 400, 500 ans, et vous recevez ces deux images avec une qui vient de je ne sais où et l'autre qui vient de je ne sais où mais pas du même endroit. Par exemple, un YouTube quelconque versus une archive du web. Eh bien, comment est-ce que vous savez quelle est la variante de l'autre? Qui est la copie? Qui est l'original? Quelles sont les règles, les principes la philologique que l'on peut se donner pour établir la version de référence entre ces deux vidéos? Alors évidemment, là je peux refaire mon petit effet. Évidemment, c'est un peu défloré. Alors voilà, là, vous avez un petit jeune qui prépare son retour
en politique. Et donc là, vous le retrouvez avec les images d'origine et inséré dans un montage moderne. Alors là, l'intérêt de cela, c'est qu'évidemment, avec des images comme ceci, on a des règles interprétatives qui sont plus ou moins simples, puisqu'on peut se dire là où la personne est jeune, ça doit être plus ancien que là on la voit plus âgée. Mais on est obligé d'avoir des principes interprétatifs, philologiques pour faire plus sérieux, qui permettent de faire la part entre les différentes variantes. Et ce qui va être premier, désormais, ce sont les variantes, mais non pas les ressources, puisque les ressources sont inaccessibles par elles-mêmes. On ne sait pas d'où viennent les ressources. Même quand vous consultez une page web, vous savez que la page que vous consultez est une reconstruction dynamique de différentes ressources qui sont délocalisées, disloquées, c'est-à-dire en plusieurs lieux. Donc on ne sait jamais très bien ce que l'on voit. Et donc la seule intégrité sur laquelle on peut s'appuyer, c'est celle de la vue, c'est celle de ce que l'on voit à un moment donné. Donc c'est la variante en tant que telle qui possède le poids phénoménologique et ontologique du document. C'est ce sur quoi on peut s'appuyer. Et donc il ne faut plus essayer de rapporter la variante à une origine qui est totalement putative et théorique, parce qu'elle est inaccessible en tant que telle. C'est une reconstruction qu'il faut faire à travers une comparaison raisonnée entre ces différentes variantes et donc des opérations philologiques à faire. Alors évidemment, quand on dit ça des archivistes, ils disent même pas mal. Nous, c'est un vieux problème. On fait ça depuis qu'on est tout petit. On a appris ça à l'école, etc. En gros, quand vous avez plusieurs manuscrits médiévaux qui parlent d'un original qui est perdu, voire qui n'a jamais vraiment existé, eh bien, on ne fait pas autre chose. Ce qui fait que le nominalisme de la variante, qui est un fait massif que le numérique nous impose, n'est pas un problème qui est si déstabilisant que cela par rapport à la pratique archivistique. Simplement, ça nous déstabilise par rapport aux mauvaises pratiques et mauvaises habitudes qu'on a prises depuis l'imprimé et depuis la gestion du papier, où on pense qu'il y a un bon à tirer qui fait foi par rapport à ces différentes manifestations. Mais en dehors de cette erreur de l'histoire de l'imprimé depuis les trois derniers siècles, eh bien, les archives ont l'habitude de gérer la prolifération des variantes, et le petit ouvrage que je citais tout à l'heure de Bernard Sacchiglini rappelle combien l'archivistique est à même de traiter ce nominalisme de la variante qui, en gros, ne ramène simplement l'archivistique à ce qu'elle sait bien faire depuis quasiment l'origine. Évidemment, les choses vont être un petit peu différentes avec nominalisme de la donnée, puisque là, on a affaire à un autre phénomène qui n'est pas le retour de la variante par rapport à une essence improbable du document, c'est plutôt la massification des données qui change la nature même de ce que l'on va consulter et voir. Alors, quand on parle de big data, ce qui est important, c'est de ne pas confondre big data et masse de données. Masse de données, ça fait très longtemps qu'on en a, et c'est des masses de données homogènes, par exemple des grandes bases de vidéos, des grandes bases de textes, etc. Tout cela, ce sont des masses de documents, et ça fait 40 ans que les informaticiens, les statisticiens s'expriment pour pouvoir interpréter ce type de documents. Ce qui est nouveau avec les big data, c'est qu'on va rajouter au-delà de la masse deux propriétés supplémentaires. C'est dynamique, c'est-à-dire que ça se remet cycliquement à jour, et surtout, grande innovation, on peut gérer des données qui sont hétérogènes. Donc ça peut être des logs de consultation, ça peut être des vidéos, ça peut être des textes, ça peut être des ressources formatées en base de données, etc. Ce sont des données qui sont hétérogènes, et la force du numérique, ce que je disais tout à l'heure, c'est étant un support sans sémantique, il peut homogénéiser ce qui est hétérogène. Et donc, d'une certaine manière, le numérique, c'est la grande amnésie de la donnée, dans la mesure où on peut tout accueillir en numérique, tout simplement parce que le numérique nous oublie tout. Il n'a pas besoin de souvenir de l'origine de la donnée, de son hétérogénéité, tout simplement parce qu'en en faisant des 0 et des 1, il les rend tous intégralement homogènes entre eux et du coup manipulables selon les mêmes algorithmes. Un statisticien, quand vous allez le voir, c'est très simple. Il vous raconte votre histoire et dit « Bon, d'accord, très bien, maintenant tu me dessines un graphe, c'est quoi tes nœuds, c'est quoi tes flèches ?» Et à partir de là, il vous fait le travail. Donc, d'une certaine manière, les statisticiens n'ont pas besoin de comprendre la donnée, ils ont juste besoin de comprendre comment on peut la formaliser pour appliquer les algorithmes qu'ils maîtrisent fort bien, parce que ce sont en général de très belles mathématiques. Alors, les 4 V fameux qu'on utilise toujours pour qualifier les big data, c'est à la fois des caractéristiques et des problèmes. Il y en a beaucoup, le volume, ça change tout le temps, velocity, elles sont hétérogènes,
la variété. Et puis enfin, elles sont douteuses. Alors ça, c'est une petite coquetterie des gens de base de données et de big data. C'est de dire qu'il y a tellement de données que d'une certaine manière, la véracité de la donnée n'est pas un problème parce qu'elle est compensée par la redondance statistique qui introduit un filtre de pertinence sur l'aléa singulier de la donnée aberrante. Alors, il y a quelques années, ce qui a introduit beaucoup de perturbations dans le monde des gens qui travaillent sur les données, mais à l'ancienne, c'est-à-dire en collectant des documents, en collectant des données, les interprétant, etc., c'est que Google a repris des données sur la propagation de la grippe, simplement en utilisant les médias et en faisant une analyse big data pour observer la propagation de l'épidémie. Et donc on voit ici les pics d'épidémie selon les années, et là le bleu c'est ce qui est fait par Google uniquement par voie documentaire. Alors documentaire au sens impropre, c'est par voie donnée, donc collectée et interprétée statistiquement. Et puis en jaune, ce que vous avez, c'est les données épidémiologiques réelles, celles qui sont collectées par le Data Disease Control américain et qui a observé la propagation des, du virus. Et donc ce que l'on voit, ce qui était saisissant, c'était la superposition quasi parfaite des deux courbes, et qui disait que eh bien, désormais on n'a plus besoin de s'occuper de faire de l'épidémiologie, il suffit tout simplement de savoir collecter les données et observer l'apparition de nouveaux mots, de nouveaux termes pour observer la propagation d'un phénomène. Alors évidemment ça a été un petit peu contesté, puisque lorsqu'on va aller un peu plus avant dans la comparaison des données, on s'aperçoit que Google devient un amplificateur de la rumeur, parce qu'en gros Google mesure les gens qui parlent de la grippe et le CDC, il mesure les gens qui ont la grippe. Et donc en général, on peut très bien parler de la grippe sans l'avoir. Réciproquement aussi d'ailleurs, ça marche aussi. Et donc évidemment, la coïncidence eh bien, ne traduit pas forcément un rapport exploitable essentiel, parce que toujours constaté entre ce que les médias et les données disent et ce que le phénomène réel est. Donc ça a été une polémique qui est toujours ouverte d'ailleurs, mais c'est une polémique qui est d'autant plus intéressante que ceci se fut publié dans Nature. Nature, qui est la revue par essence même de tout ce qui se fait de mieux en compréhension de la nature. Et donc, le paradigme qui était en train de se mettre en place, c'est de dire, on n'a plus besoin de sciences expérimentales, on a juste besoin de sciences de données qui vont remplacer tout le reste. Donc, on a de nouvelles prédictions, vaticinations sur nouvelles manières de faire des sciences. Alors, vous avez le gentil, c'est Lev Manovich, qui dit du fin fond de sa Californie natale, enfin pas natale, mais en tout cas professorale, qu'on a un nouveau paradigme scientifique pour les sciences humaines et sociales. Il appelle ça le cultural analytics. Et puis vous avez le méchant, le provocateur, le bad boy, c'est Chris Anderson, celui de la longue traîne, vous savez, et qui dit que la science classique va disparaître, la pratique savante critique va disparaître, puisque tout simplement on pourra la remplacer par un empirisme direct, le fantasme absolu. Hein, John Locke va sortir de sa tombe pour dire que c'est lui qui avait tout dit, l'empirisme absolu qui consiste à dire juste avec les données, eh bien, on pourra tout prédire, tout dire, et en plus, enfin, ça sera objectif parce que calculé. Parce que je ne sais pas si vous avez observé, mais il y a toujours ce sophisme de dire que quand c'est calculé, c'est objectif. Hein, on peut tout à fait calculer des choses subjectives. Alors, cultural analytics, c'est quoi? C'est le fait de collecter des données, de les analyser avec des mathématiques en général relativement évoluées d'ailleurs, hein, si vous allez dans les colloques de l'ANR sur ces big data, vous avez, c'est le dernier club des normaliens mathématiciens, hein, ils s'amusent comme des fous, c'est des très belles choses, mais par contre on voit toujours pas très bien à quoi ça sert, ça c'est un peu le côté critique de la chose, mais par contre ils s'amusent beaucoup et c'est en général très brillant, hein, parce qu'en plus c'est des gens évidemment très très brillants. Et donc vous avez des restitutions de données qui vous permettent de voir un résultat, donc les dashboards habituels, les tableaux de bord habituels que l'on peut avoir, mais d'autres visualisations, comme par exemple ce genre de choses avec l'intelligence des réseaux qu'on essaye de construire à travers ces différentes cartes sémantiques, et puis toutes les visualisations diverses et variées que l'on peut avoir. Là, c'est un site sur Visual Complexity qui permet de voir toutes les métaphores graphiques que l'on peut avoir pour envisager des bases de données massives et des big data. Alors, beaucoup parlent aujourd'hui d'un nouveau paradigme, et là vous avez Jim Gray, un défunt leader de Microsoft. C'est un personnage mythique parce qu'il a fait une conférence sur le quatrième paradigme, et puis après il est parti en bateau, et il a disparu avec son bateau.
Donc, du coup, c'est le testament de Jim Gray, et on attend un jour qu'il revienne avec son bateau et plein de big data dedans pour nous expliquer ce qu'on peut en faire parce qu'il a trouvé la voie. Alors, le quatrième paradigme, c'est quoi ? C'est le fait de dire, eh bien voilà, on a quatre paradigmes dans l'histoire de l'humanité. Le premier, il y a plus longtemps, le plus ancien, c'est directement empirique. On va décrire les phénomènes naturels. Ensuite, on a, au XVIe siècle, mis en place la science théorique, c'est-à-dire le fait de modéliser par des lois mathématiques eh bien, les phénomènes naturels. Il y a une cinquantaine d'années, on a inventé les sciences numériques. Ça veut dire que, par exemple, les équations de la physique peuvent désormais tourner avec des algorithmes numériques sur les ordinateurs et prédire des courbes, dessiner des ailes d'avion, etc. Et puis enfin, aujourd'hui, depuis quelques années, l'exploration des données, c'est-à-dire le fait de pouvoir laisser tomber la branche théorique, de ne pas demander au calcul d'être simplement l'application de lois. On va utiliser le calcul comme étant l'exploitation de données et il n'y a rien de théorique là-dedans. On parle simplement du réel qui est manifesté à travers les données et à travers l'exploitation statistique, probabiliste, etc. Eh bien, on dégage des schémas de compréhension et d'interprétation. Et donc, c'est ce paradigme-là qui nous est proposé et qui aujourd'hui pose quelques questions. Alors, comme on l'a vu, le contenu, c'est de la donnée qui est visualisée. Et donc, on va avoir deux problèmes, à mon sens. Le premier problème, c'est quand on parle de données, de quoi parlons-nous exactement ? Et là, il y a un grand sophisme qui s'est introduit, qui consiste à nous dire que la donnée, ce n'est jamais qu'une mesure qui est mise dans un ordinateur et qu'on va exploiter. C'est totalement faux. Et puis la deuxième chose, c'est la visualisation qui est bien le résultat d'un calcul, mais qui est interprétée de manière totalement arbitraire à travers les règles sémiotiques de l'interprétation visuelle. Alors le problème de la mesure et de la donnée, en fait, c'est quelque chose qui est bien connu. Hein, c'est que lorsqu'on parle de données, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elles sont données ? Parce que les données ne sont pas données, on va les chercher en général. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de données ? Parce qu'en général, celui qui va chercher les données, il va les trouver parce qu'elles ont été construites par d'autres. Par exemple, quand vous allez récupérer des logs d'un serveur, eh bien, c'est le serveur qui va produire les données et vous allez les récupérer. Donc elles sont données par le serveur, mais évidemment elles sont construites. Mais vous ne maîtrisez pas le mode de construction, vous ne savez pas d'où elles viennent, vous ne savez pas comment elles sont faites, vous ne savez pas comment elles se régulent les unes par rapport aux autres. Donc en fait, ces données ne sont pas des données, elles sont des construits, hein, c'est ce que dit Bruno Latour. Et ce sont même des captés, hein, des captas, comme dit Johanna Drucker. Et donc, première chose, on a une construction des données. Et puis, deuxièmement, on va avoir des traitements statistiques qui vont s'appliquer sur les données. Et c'est ça qui est important, le point important ici, c'est que le traitement qu'on va faire sur les données est totalement indépendant de la manière dont on a obtenu les données. Alors ça vous paraît peut-être un peu abstrait comme formulation, mais imaginez que vous ayez votre petit frère normalien qui parte au CERN faire sa thèse de physique, il va observer des particules. Eh bien, les particules qui tournent, elles obéissent à des lois physiques. Du coup, on a fait des outils de captation, de mesure qui obéissent à ces lois physiques. Elles donnent des résultats qu'on va analyser avec les mêmes lois physiques. Et donc, vous avez un continuum qui fait que c'est la même compréhension du monde qui vous sert à expliquer ce qu'elle a donné, comment vous l'avez obtenu, comment vous allez l'interpréter. La force et la faiblesse des big data, c'est que le traitement des données n'a rien à voir avec l'obtention des données. Vous n'avez pas besoin du tout de comprendre d'où viennent les données, comment elles sont faites, parce que les algorithmes que vous allez appliquer sont juste là pour observer la récurrence statistique des données dans la même base. Donc c'est la première fois qu'on a une rupture radicale entre le traitement de la donnée par rapport à l'origine de la donnée. En science expérimentale, on n'a jamais eu ça. La science expérimentale, par définition, ce qui la constitue, c'est que l'interprétation théorique de la donnée est homogène et la même que les conditions expérimentales de l'obtention de la donnée. Comme dit Bachelard, comme dit Bachelard, les outils expérimentaux sont des théories matérialisées. C'est-à-dire que quand vous faites un accélérateur de particules pour observer les particules, vous utilisez les mêmes lois que celles qui vont servir à observer, analyser ce qui se passe dans cet accélérateur. Lorsque je fais le serveur d'Amazon, les statistiques que je vais utiliser sont totalement indépendantes des lois qui m'ont permis de concevoir le serveur d'Amazon. Donc il y a cette rupture des big data qui, évidemment, leur force, parce que c'est parce qu'on a cette rupture que les big data peuvent agréger des data hétérogènes, sinon on ne pourrait pas le faire.
Hein, parce que la science physique ne sait pas intégrer des données hétérogènes. Les big data le savent, mais du coup, on a perdu le lien à la donnée, à l'origine de la donnée. On ne sait plus de quoi la donnée est la donnée. Et pourquoi on ne sait plus? Parce qu'on s'en fout, en fait. Hein. On s'en fout complètement. Ce qu'on veut, c'est observer la récurrence statistique. Donc, on va négliger des choses qui, par exemple, pour nous, sont tout à fait essentielles. Alors ça, c'est des critiques qu'on a fait il y a très longtemps sur les gens qui travaillent en stylistique numérique. Par exemple, quand vous analysez des textes, eh bien, vous allez ne pas prendre en compte le fait qu'un mot n'a pas le même sens s'il est dans un titre ou dans un paragraphe. Vous transformez le document en un sac de mots. Et donc, vous allez donner le même poids au mot qui est dans la note, au mot qui est dans le titre, au mot qui est dans le paragraphe. Pourtant, d'un point de vue sémantique, ils ne vont pas du tout avoir le même rôle ni le même poids sur le document. Donc, le fait de transformer d'accueillir les données de manière hétérogène, ça nous donne un instrument de comparabilité, mais en même temps, ça nous donne un nivellement de la donnée où, grosso modo, l'information devient un sac informe de fragments, de données élémentaires qui sont, entre guillemets, incommensurables entre elles, mais ce n'est pas très grave, parce que de toute façon, on les ramène simplement à des informations binaires. Du coup, on a un nouveau problème qui est tout l'enjeu que nous posent les big data, c'est tout simplement comment est-ce qu'on va passer de l'épistémologie de la mesure, qui est l'héritage scientifique ancien, celui qu'on a connu jusqu'en 1950, et puis une épistémologie de la donnée qui permet de prendre au sérieux ce que les big data nous permettent de faire. Et donc, dans mon propos, il ne s'agit pas de dire que les big data, c'est pas bien, c'est que les big data, c'est pas ce qu'on nous dit. Et donc, elles sont beaucoup plus importantes, en fait, qu'on pourrait le croire, dans la mesure où non seulement c'est un nouvel outil, mais c'est surtout un nouveau paradigme, dans la mesure où ce qu'on fait dire à ces données, eh bien, n'est pas du tout homogène à ce qu'on faisait dire à nos mesures il y a encore quelques décennies. Et là où il y a un sophisme, c'est que le discours ambiant sur les big data dit bah, « c'est pas grave, les données sont jamais que des mesures massives qu'on a obtenues ça et là, on a les mesures de log, on a les mesures de mots dans les documents, etc. » Et donc tout cela, on va le rendre comparable. Ce n'est pas tout à fait exact, parce que ce ne sont plus des mesures, ce sont des données qu'on va traiter de manière aveugle par rapport à leur origine, ce qui n'est jamais le cas dans le cas de des sciences de la nature. Alors, donc, c'est un premier problème, celui de la donnée et de la mesure. Le deuxième problème, c'est ce qu'on fait de ces données et la visualisation. En gros, ce dont on s'aperçoit, c'est que personne ne consulte les données par elles-mêmes. On parle des algorithmes qui font du distant reading, hein, c'est-à-dire de la lecture globale. Alain Giffard parle même de lecture industrielle, c'est-à-dire le fait que c'est les outils qui lisent pour nous les informations et elles les reconstruisent à travers des visualisations comme, comme ce genre-là, où là, on voit de très belles choses. Mais très difficile à interpréter parce qu'il est très difficile de comprendre ce que l'on voit. Et on a deux phénomènes, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de donner du sens à ce que l'on voit. C'est ce que Rastier disait en parlant des humains comme des animaux sémiotiques. Tout ce qui arrive, il faut qu'on lui donne un sens. On est des malades de l'interprétation, des compulsifs de l'interprétation, mais par contre, c'est jamais forcément le même, ni toujours cohérent. Et donc là, on ne peut pas s'empêcher de donner du sens à ce que l'on voit, mais on ne sait pas du tout si c'est le bon et si c'est argumenté. Et donc l'influence, c'est la société qui a produit cette carte de la politicosphère américaine. Elle explique que si on n'est pas tout à fait au fait de la construction de cette carte, elle est quasiment impossible à interpréter, sinon à retrouver des choses que l'on sait déjà. Ah, c'est quand même curieux, les sites républicains américains sont en lien avec les sites de vendeurs d'armes, par contre les sites démocrates sont en lien avec les mutuelles de santé. Donc des choses que l'on sait déjà, qu'on retrouve grâce aux cartes, mais il est très difficile de savoir ce qu'elle peut nous apprendre de plus que ce qu'on savait déjà. Et puis, il y en a d'autres problèmes, ce qui sont qu'on a des cartes qui sont construites selon des principes esthétiques qui peuvent avoir des principes tout à fait différents de la nature même des données. Là, vous avez, c'est un cas qui a été relevé par Vincent Minier qui travaille au CEA,
Il a une carte de vulgarisation scientifique qui est une observation d'un télescope spatial. C'est les nuages de Magellan, je crois. Et là, vous avez une configuration d'énergie qui donne la naissance d'une étoile. Et là, vous voyez que la photo qui est proposée, évidemment, n'est pas une photo qui a été prise. C'est des flux rayonnements électromagnétiques qui ont été captés par un télescope. Et donc, tout cela a été colorisé, aménagé pour donner un résultat. Et en plus, on a choisi un angle de vue qui est tout à fait saisissant, qui donne l'esthétique de cette image. Et donc, si vous regardez bien, cette image scientifique renvoie à un imaginaire qui est en fait celui des nouvelles frontières américaines, où on voit les images de Colorado qui montrent les nouveaux espaces. Et pour reprendre le discours ancien de Kennedy, l'espace est la nouvelle frontière. Et on voit que ces discours de la nouvelle frontière se répercutent, y compris dans les interprétants sémiotiques que l'on retrouve dans la vulgarisation scientifique. Et donc, ce qui arrive à la vulgarisation scientifique de l'astronomie est tout à fait analogue à ce qui peut arriver à la visualisation scientifique de données dans les big data, c'est-à-dire qu'on nous montre de très belles choses, mais ce qui est montré n'est pas forcément ce qui est calculé, et les interprétants sémiotiques ne sont pas forcément ceux qui gouvernent à la compréhension des données. Donc tout cela est quand même raisonnablement problématique. Parce qu'on voit bien que dans cette visualisation que l'on reconstruit à partir des données, eh bien, on a oublié en fait, le fait humain, c'est-à-dire ce qui nous permet de comprendre ce qui s'est passé, ce qui nous est raconté à travers ces documents. Donc on a premièrement le fait humain en tant qu'il est humain, c'est-à-dire comprendre l'histoire de nos communautés humaines, et puis le fait au sens est arrivé, et donc on a des moyens empiriques, logiques, de les analyser, de les confronter, de les valider. Et donc la difficulté que l'on va avoir, c'est que le nominalisme de la donnée va remplacer complètement les outils habituels de la compréhension du fait humain, où on va avoir une compréhension qui va reposer sur le témoignage, la mise en indice, la mise en série, les lois qui nous permettent d'interpréter au niveau sociologique, historique, psychologique, eh bien, le fait humain tel qu'il est arrivé à d'autres, et donc on peut en avoir une compréhension interprétative, voire empathique, et on va le remplacer par une récurrence statistique qui est totalement anonymisée par rapport au fait humain d'origine. Et donc on arrive un peu au paradoxe, c'est que en utilisant les big data, on s'interdit de pouvoir comprendre le fait humain qui est derrière les données que l'on rassemble, à part ceux que l'on connaît déjà. Et donc le paradoxe des big data, c'est un petit peu là-dessus que je voudrais conclure, c'est que on retrouve le paradoxe du Ménon de Platon. Vous vous rappelez, Ménon, c'est le petit esclave que Socrate éduque, et il lui fait redécouvrir un théorème de géométrie en traçant des figures sur le sable. Il dit, tu vois bien, l'esclave qui est là, il n'a pas appris la géométrie, donc s'il fait la démonstration, c'est qu'il la connaissait déjà dans une vie antérieure. Et donc c'est là où Platon dit que la connaissance, c'est la réminiscence, c'est-à-dire c'est le fait de se souvenir. Et donc on ne peut jamais rien connaître de nouveau, parce que quand on découvre quelque chose de nouveau, si on le découvre et qu'on le reconnaît, c'est qu'on le connaissait déjà. Et s'il est réellement nouveau qu'on ne le connaissait pas, eh bien on le reconnaît pas. Et donc on passe à côté. Et donc les big data, c'est un peu la même chose. On ne peut reconnaître dans les big data que ce qu'on savait déjà, mais il est très difficile d'avoir une connaissance nouvelle dans les big data, parce que le paradigme épistémologique et le paradigme sémiotique qu'elles imposent fait que la nouveauté est pour nous indécelable. Et d'ailleurs, la question que je pose toujours à mes collègues qui travaillent là-dedans, donnez-moi un exemple de quelque chose qu'on a appris, qu'on ne savait pas déjà, grâce aux big data. Quelle est la posture paradigmatique nouvelle que ces informations-là nous donnent? Donc, pour conclure, on a deux nominalismes qui sont imposés par le numérique. La première, c'est le nominalisme de la variante, et comme je disais tout à l'heure, c'est un nominalisme qui est massif, mais qui n'est pas problématique en soi, dans la mesure où c'est une réalité documentaire que les archivistes connaissent très bien sur la longue durée. C'est tout simplement que la variante, c'est elle qui représente la réalité documentaire et non pas l'essence documentaire dont elle est la manifestation. Et puis l'autre, qui est plus récente, mais qui est beaucoup plus problématique, mais qui n'affecte pas seulement le monde du document, ça affecte le monde global de la culture et la compréhension que nous avons de nous-mêmes, c'est le nominalisme de la donnée, où on voit qu'on a un effacement de la singularité au profit de la répétition statistique, et le fait d'avoir l'enjeu d'une nouvelle épistémologie, d'une nouvelle sémiotique, qu'il faut prendre au sérieux, parce que d'une certaine manière, il ne faut pas que notre imbécilité épistémologique nous chasse du paradis que les big data pourraient construire pour nous. Je vous remercie.